Et on démarre avec le dernier livre de Jacqueline Kellen, que l'on connaît bien ici, Aujourd'hui Seigneur, puisqu'elle a été la lauréate de la 3e édition du prix de la liberté intérieure. C'était en 2020. Aujourd'hui, elle revient avec un ouvrage inspiré du livre de Tobie et intitulé « Le temps de la bonté ». Et elle nous propose ici une lecture très poétique de ce livre de l'Ancien Testament. Tobie, avec un T, est un vieil aveugle, pieux et généreux. Il charge son fils Tobie, avec un E, de récupérer une somme d'argent importante qu'il avait prêtée quelques années auparavant. Le jeune Tobie part donc sur les routes à la recherche de la fortune de son père et il est accompagné de l'ange Raphaël. Jacqueline Kellen nous narre ici son périple, mais aussi le pèlerinage intérieur que va vivre le jeune homme. Voici un extrait. La quête spirituelle n'est pas un jeu. Elle engage la vie tout entière et a un prix à payer. Ce qu'on donne de soi et ce à quoi on renonce, tout ce qu'on est prêt à affronter.